Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure qu'on branche nous. C'est NAP, Nord Agence Presse Haïti, qui peut être pour Focus Info pour jeudi vendredi 6 mai 2022. Jean Saté annoncé GEOASA, une organisation internationale, à appui direction départementale Nord Protection Civile, réalisé journée vendredi 6 mai 2022. Dans la ville capaïtienne, un exercice simulation, une façon pour monter population, particulièrement élèves à l'école, qui comportement, il doit gagner si en cas un tremblement de terre t'a frappé ville capaïtienne. Tant que ça t'est fait, 7 mai 1842, on regarde comment ça t'est. Sorti dans bouche doucement. Retenons deux fois, puis doucement toujours. Et puis la gueule dans bouche fort. En dernière fois, la lève en main et puis qui t'est sorti dans bouche. En allez. Et puis qui t'est sorti. Donc même pas dans le temps là, ou à suivre ça va passer là. Il y a un premier exercice pour faire. Si tout le monde qui vit signe, râlez 20 ans et puis quittez le sorti dans la bouche doucement. Merci en pile. Tout bagaille après l'entrée dans la place, yon après l'autre. Vous mettez continuer à respirer doucement dans la et puis à la bouche. On va mettre dans place où chaque monde a joué le rôle pour aider chaque cas.
L'autre nouvelle, citoyenne cap-haïtien organisé journée jeudi 5 mai 2022, il y a une manifestation dans la paix pour relayer à Bablakaout insécurité ville la Trossale avec la Vichère. Il a été fait plusieurs parcours dans la deuxième ville pays pour faire revendication au passé en suivre comment ça t'est avec Focus Info. Comme d'habitude, nous toujours dans la rue. Étant un représentant, une structure politique, nous toujours faire en sorte que nous campions bon côté population. Je dis à c'est indignant. Nous avons constaté dans quel niveau le peuple haïtien tombé, dans quel niveau nous avons mis le pays. Je dis à Haïti tourne un véritable abattoir. Quand on a constaté, c'est tête moun qui a coupé, c'est poignet moun qui a coupé, c'est raché et a raché moun, c'est affrontement gang à gang.
De l'autre côté, nous avons constaté la vie chère. Moun baka acheté un yen. Je dis à même moun qui t'a fait si effort à plaire parce que bagay là pas bon du tout. Eh bien, nous camper, l'en constater, rate gaz là, y planifié. Les autorités dans l'État ont dit, ils n'ont pas de contrôle gaz là, ils ont livré à propre secteur qui achète gaz, qui fait commande là, ils et ils ont bon nous gaz là, ils ont. Eh bien, nous pour la rue, pour nous continuer, demander au peuple là, prendre responsabilité. Yo. Nous sommes dans l'arrière aujourd'hui. Je crois que faut nous garder bien pour nous avoir conscience moins. Dis-moi ce qui est passé dans le pays, il faut que nous parlions. Tout le monde connaît l'idée de Petite Dessalines. Je dis nous non aujourd'hui, ce n'est pas Petite Dessalines. Parce que je dis Petite Dessalines descend à terre, tu fais pas l'humain. Je dis c'est citoyen qui l'a. Non, tu fais pas l'humain parce qu'on a préparé. Je dis c'est citoyen qui l'a. Je vais regarder Ariel Papé, il pas crainte. Il y a braché un comme ça. Dans le figure Ariel, il ne va jamais dire rien. Gaz monté en dans le pays, Ariel ne va pas dire rien. Tout ça qu'il a fait dans le pays, Ariel ne va pas regarder. Il y a braché un monde faire l'ovion. Ariel ne va jamais dire rien, Lichita. Comme quoi que tout le monde doit pour détruire le pays. Je dis là, nous dit Ariel Henry, il faut que ça finisse. En fait, pour le cap, fait 4 mois, pas de courant dans le cap là, ça va le finir. En fait, pour le directeur campé dans Port-au-Prince, pour le directeur dit comme ça, pour voyer gaz dans la ville au Cap, c'est comme la pour voyer Bali. Oui, je dis, nous ne sommes pas d'accord. Nous, même comme citoyens dans la ville, nous révoltons. Nous dit Ariel, nous parlons seulement, fais-moi ça. Nous dit Ariel, nous parlons seulement, fais-moi ça. Pour Ariel, ben courant dans la ville. Il faut que, après moi, ça là, nous passons à l'action. Et laisse ça, pas de monde qui a craqué nous. Laisse ça, ou pas à tout parti politique. Tout parti politique qui parle de la rue. Nous parlons définir tout ça. Nous qui sommes nous, nous mettons dehors pour nous gommer avec Ariel Henry. Quel que soit ça, nous nous mettons dehors. Nous parlons. Conscience citoyenne qui est volte chaque monde qui est là aujourd'hui dans le match là. Mon nom après 4 mois, pas de courant, je dis à nous pour la rue comme citoyens engagés pour nous réclamer courant. Réclamer courant, on veut dire qui ça? Balle sécurité, courant veut dire développement, courant veut dire un tas de choses. Alors nous-mêmes dans notre pays, nous-mêmes dans les Cap-Haïtiens, comme citoyens engagés, comme citoyens qui vivent dans nos communautés, nous ne voulons pas petites filles nous, soeurs nous violer à cause de blackout là. Et bien nous demandons à ce que pour qu'il y ait courant. Et bien si c'est bon temps pour alimenter, nous demandons à l'État central, Ariel Henry, faire en sorte que le courant, il vienne pour nous dans le pays, parce que nous avons bouqué à tort, nous bouquons. Un leader religieux dans le département de Noa dit déplorer la situation difficile. Population à vivre dans la rentrée non-capitale haïtienne, Port-au-Prince, côté plusieurs mounes mourir, et en pile famille obligée de quitter la caillou à cause bandit, à troquer âmes entre eux et puis. Avec la police, pasteur Marc Enol Raphaël, c'est coordonnateur Fédération protestante d'Haïti avec président Ligue des pasteurs d'Haïti dans micro Focus Info.
Bon, moi, l'église dit même qu'on y a, nous pas gain moyen zam nan men nou et nous pas capable aller à faire affrontement. Yon l'autre leader religieux qui c'est pasteur Raphaël Mathieu estimé c'est yon problème leadership qui mettait pays d'Haïti côté lié journée jeudi à pasteur Raphaël Mathieu reprocher moun qui a chance diriger pays d'Haïti est-ce que pas manifester volonté pour retirer population haïtienne dans la situation liée journée jeudi à déclaration pasteur Raphaël Mathieu l'engagé ce qui a passé. C'est un connoté dans le moment de là il a bien taillé et ça horrible, il est terrible et nous voulons remercier tout nèg qui passait dans le pouvoir déjà yo qui pas fait rien pour être capable d'établir un système social et sécuritaire pour le pays qui mène nous côté nous là. Moi, je crois que je dis, si nous regardons ce qui a passé, pas au point, ce qui a passé eh bien, dans tout le pays, c'est un problème de leadership qui est lié. Pour que ça, c'est un problème de leadership, c'est parce que messieurs et dames internationales, ils jouent dans l'esprit non qui est malade. On sait des nègres, des présidents, sénateurs, députés, et c'est messieurs ça qui mettent le pays à côté de là. Par exemple, il y a un combat qui passe là actuellement, il y a expliqué, qui passe dans le port Saint-Macla. Un paquet de zams entré dans le pays. Zams ça au cours de aujourd'hui. C'est l'État, c'est mon l'État qui mettait et ma petite population haïtienne. Non? Et en pile fois, nous avons dit René Préval, c'était plus gros président. Il faut remercier René Préval, il faut remercier. Eh bien, monsieur, en pile l'autre nèg qui était passé avant Préval du tout.
Côté nous avons une série de petits mondes, ils doivent créer l'école pour eux, ils vont créer l'école pour eux. Ils doivent créer infrastructure pour être vite pour les mondes. Ils n'ont pas fait ça. Eh bien, je dis, le fait que vous n'avez pas fait rien, au lieu que vous avez organisé le pays pour que vous ayez vu dans le monde, vous prenez tout l'argent du pays, vous avez fait gros bagages à l'étranger, vous avez fait gros villages là-bas, et puis, voilà, vous n'avez pas fait rien. Vous n'avez pas créé l'école pour tout le monde, vous n'avez pas fait création d'emploi, rien du tout. Finalement, vous avez détruit le pays, mais côté nous. Même dans l'État bête, c'est pas gagné là. C'est comme on a dit, c'est en Ukraine que nous y sommes. Et en Ukraine, nous gagnons l'autre nation qui est entrée en Ukraine, n'est-ce pas, qui a écrasé le peuple là. Mais je dis, néanmoins, la communauté internationale n'est pas innocente de ce qui a passé là. Je voulais que les Haïtiens comprennent bien. Parce que nous pas fait âme. Mais je voulais dire, messieurs, tout. Pour le gagner, il y a une inondation qui va passer en Haïti. Parce que Jean peuple a souffert là, qui est-ce qui est dans le pouvoir là? Et je vais même parler directement avec le Premier ministre qui est là pour vous dire. Je voulais parler avec tout le qui se passe là comme sénateur, député, ancien Premier ministre. Lorsque le peuple vient éclair, qu'on est à l'abdomen, mais le peuple a pour réveiller. Les peuples sa réveillé, m'a dit tout nèg k'ap kidnappé peuple sa. Nèg k'ap fait peuple sa souffrir. Nèg k'ap pérenniser peuple sa. Yo pa ka payer conséquences là. Et c'est pourquoi m'a demandé peuple haïtien pour nous mettre tête ensemble pour nous retirer tête nous dans situation ça. Pour nous sortir dans état ça, force vivre il y a besoin réveiller. Parce que qui ne dit rien consent. Population haïtienne, non. Moun qui nan secteur privé des affaires, moun qui nan couche moyenne, non. C'est nous tous qui menacés pour nous sortir là-dedans, faut que nous fassions ensemble. Pas oublier que, dans cette noyau, t'es en bas un système pesé sous c'est. Mais c'est Desalinio, collage à me couper, etc. Mais c'est Toussaint Louverture. Yo te met les têtes ensemble pour nous débarrasser nous de tout mal qui te gagné pour nous arriver dans 1804. Je dis à ce temps que nous arrivons même avant 1804. Maintenant, pour nous sortir là, il faut que nous gagnions tête ensemble. C'est pourquoi je m'a fait appel à l'église, société civile là. Je m'a fait appel à toute couche qui est classe moyenne, là. Syndicat. Yo. Pour nous mettre tête ensemble pour que Haïti parle en dans la mer. Parce que c'est sous bateau nous là, nous passons dans la mer. Pas de monde qui parle là-dedans. C'est pourquoi que nous demandons à la population haïtienne qui vivent dans le pays et qui vivent dans la diaspora. Pour nous mettre tête ensemble pour nous retirer le pays pour nous là. Merci tout le monde qui te suivre Focus Info pour jeudi vendredi 2022. On a toujours salué tout le monde, toute famille, tous les amis qui toujours suivent nous, qui toujours montrent manifestation curieuse, qui sont capables de supporter nous. La famille Jasmin qui est dans Bradenton, Floride, la famille Narcisse qui est dans Floride, tout, et la famille Jasmin qui est dans Texas, Jean-Jodel Jasmin qui est dans Canada, docteur Patricia Noël. Merci tout le monde, toute équipe là, salut. Narcisse Philometoloma, Hérode Kodada, Guy Desjoie, Valérie Charles, Michel-Ange Lucien, Esdras Giaminal. Passez une bonne soirée, ou bien un bon week-end, ou bien une bonne journée avec NAP, Nord Agence Presse Haïti. Toujours abonnez channel là, partagez nos valeurs. C'est moyen qui puisse simple pour capable aider nous, pour capable continuer à suivre toute émission Nord Agence Presse Haïti. Merci tout le monde, à la prochaine.